Yo tout le monde, c'est Job. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors, il y a eu pas mal de changements. Comme d'habitude, beaucoup de changements off. Donc là, on est au niveau de la raffinerie, je prends des pompes de pétrole, de raffinerie, etc. Ce que j'ai fait déjà pour que ça fonctionne mieux, c'est que j'envoie le surplus. Alors, normalement c'est censé être le surplus, mais peu que j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas très grave. Dans les broyeurs, par exemple là, c'est tout ce qui est polymère, etc. Bon. J'en produis beaucoup trop, vous voyez là j'ai tout ça de rab. Pour l'instant j'ai pas besoin de produire du tissu à gogo, donc ça va pas me servir. J'ai fait pareil pour tout, hein, pour les caoutchoucs. Alors non, pour l'instant pour les caoutchoucs j'ai tellement de rab que je fais avec ce que j'ai dans les trois conteneurs industriels qui sont là. Et pour le plastique, c'est là où j'ai fait une petite bourde et j'ai tout foutu dans un. J'ai tout foutu là-dedans. Tiens, je vais le retirer d'ailleurs. En fait, j'ai plus rien. Le souci étant, je crois que je consomme un peu plus de plastique que ce que je produis. J'ai du mal calculer ce que j'ai fait. Et c'est la mouise. Parce que, attendez, dans mes calculs, j'en consomme combien? J'en produis combien du plastique? Dans mon calcul, je suis bien pourtant. Ah, ça n'a pas dû. J'en consomme 30. Ah merde. Ah non, je consomme beaucoup plus. J'en consomme 120. Attendez, je suis en train de regarder ça à côté. 120 plus 45. Ah, j'en consomme 165. C'est bon, je comprends maintenant pourquoi j'ai un problème. J'ai... Oui, oui, oui. 145. Et j'en produis 80. Oh la bourde. Bon. Bon. C'est pas bien grave. Et c'est pour ça, enfin, c'est entre autres pour ça que j'ai fait. Alors, un peu plus loin. Même beaucoup plus loin. une deuxième zone pétrolière. Comme je vais vous montrer. Alors j'ai pas encore amené le plastique, etc. Et en soi, je vais en produire moins que ce que je consomme toujours. Ouais. Voilà, donc j'ai trouvé loin par là du pétrole. Alors ça c'est une caisse inaccessible. Je peux pas la récupérer, je peux même pas retirer l'icône, etc. C'est terrible. Elle est sous terre en fait, la caisse. Elle est enterrée, c'est chelou. Oui, donc je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Ah, j'ai refait un autre hyper truc, je sais plus comment ça s'appelle. Qui va jusqu'au charbon. Déjà je gagne pas mal de temps parce que les allers-retours à pied. Encore sur le retour ça va parce que j'ai juste à me mettre sur les convoyeurs et les convoyeurs me donnent une certaine vitesse. Donc là je dis pas non. Mais à l'aller, je sais pas combien de minutes ça me prend, mais bon. Après c'est pas désagréable, ça fait une petite promenade, mais bon. Quand on doit construire des choses, faire les allers-retours comme ça, et si on oublie quelque chose, on est en mode oh merde. Alors que là, allez, peut-être ça me prend une minute sur dans le transporteur. Bon, la montée est un peu plus longue. Comme vous le voyez, en montée, il a du mal. On dirait un vieux moteur 60 chevaux. Voilà, 75. Oula, les références un peu trop précises. Voilà.
Voilà, donc j'arrive petit à petit à mes trois extracteurs de charbon. Et par là, il faut encore prendre un extracteur. Ah mais oui, je crois que je vous l'avais pas dit. Faut que je vous montre quelque chose. I'm flying! Oui, j'ai débloqué le réacteur dorsal et le masque à gaz. J'en ai profité pour débloquer quelques technos. Pas l'ascenseur orbital, hein, vraiment juste les technologies débloquables. Via le MAM, je crois que ça s'appelle. Hop, donc je prends un deuxième hyper truc. On va l'appeler l'hyper truc, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Vraiment, c'est terrible. Pour se rendre à une autre zone de production de pétrole. Où bah, j'ai mal géré en fait, hein. Je viens de voir, j'ai mal géré ma prod. Enfin, j'avais pas. Enfin, le truc, c'est que j'avais mal calculé ma consommation de plastique. Je sais pas pourquoi mon calcul est mal foutu dans le tableau. J'ai dû merder un truc. J'irai revoir en off. Et ce qui fait que je consomme trop de plastique. Ah oui, un petit niveau de radiation par ici. Il faut que je fasse attention. Ça passe. Je perds un peu de points de vie, je crois, de temps en temps. Ouais, là, regardez, là, j'ai perdu un pouillat de points de vie. C'est que dalle. Voilà, donc là on arrive sur nos usines. Tiens. Elle s'active et se désactive, j'ai l'impression. Donc ici j'ai trois extracteurs. C'est. Mais sort d'où elle? Oula, 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 oula. Attendez, surprise. Wow! Ah, attendez, excusez-moi, excusez-moi. Mais elle sort d'où ce bestiau là? C'est dingue ça. Alors. Je disais oui. Je voulais voir déjà pourquoi elle fonctionnait en altermie. De manière intermittente. Carburant, j'en ai, hein. Et les tuyaux, ils sont pleins. Ouais, non, c'est bizarre. Là, c'est plein. Non, non, ça devait être une illusion d'optique. Alors, donc, je disais, j'ai trois extracteurs sur du pétrole pur. Hop, pétrole brut. Voilà. Hop. Ah non, brut. Normal. Ah, j'étais persuadé qu'ils étaient purs. Oh merde! Ah, j'en ai un pur. Ah, mais voilà, ah, mais c'est pour ça, du coup, j'ai plus de de production. Que de conso. Ok, il y a un pur et deux normaux. Ah, c'est bien. Ça veut dire que là, en fait, moi, j'étais parti sur une production de 120 x 3, 360. Alors qu'en fait, j'ai une production de 120 x 4, 480. Enfin, 120 x 2 plus 240. Ça donne pareil, 480. Mais là, ce qui fait que j'ai une consommation de pétrole brut qui est pas énorme en fait. Ah, j'ai de la caillasse ici. Oh, je fasse des obélisques. Tiens, je vais voir si je peux les faire avec vous. C'est pas ça, c'est pas des obélisques pour casser des cailloux, un truc comme ça. Non. Oh, c'est joli les couleurs. Je suppose. Pourquoi il court lui? Il s'est fait taper par quelque chose? Alors, on. Ça consomme combien? 60 pétrole brut, ok. Et ça, c'est 30. Je vais en produire 120 en rab, je vais pouvoir faire 4 raffineries. Basé sur le plastique en plus, ça devrait faire assez de plastique pour le reste. Là, je vais pouvoir.
consomme pas. Là, en cassant cet arbre-là. Bon, j'ai pas de biomasse. Je pourrais étendre l'usine par là. Ah ouais, c'est peut-être un puits à eau. Ah, attendez, je vais ramasser quelques feuilles. On va checker ça. Production. Tac, établi. Tac. Biomasse. J'ai ramassé si peu que ça, merde. Feuille, feuille. Bah autant que je ramasse par là et on me gêne, non? Feuille, feuille. Voilà. Hop, un peu de biomasse. Le biocarburant solide, autant pour moi. Ça, on va faire ce truc. Hop, un coup de tronçonneuse, désolé la petite arme. Voilà. On va voir. On va le placer de suite d'ailleurs. Vu que j'ai quelques matériaux. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ouais, ça va être limite, tu vois. Là, ça passera pas plus. Je suppose que je n'ai pas de quoi faire de... comment ça s'appelle déjà ce truc? Production. Raffinerie, voilà. Il manque quelques moteurs, mais il manque que des moteurs en vrai. Donc il me faut des moteurs pour la raffinerie, il me faut des obélisques là-bas, pour ce qu'il y a là-bas. Et en vrai c'est tout, hein. Ah ouais, il me faudra, alors, il me faudra de quoi ramener les ressources de là à, de là-bas. J'ai pensé à deux choses, j'ai pensé à la gare routière, mais c'est tellement loin. C'est tellement loin. Que honnêtement, je sais même pas s'il y a un chemin pour y arriver. En gardant bien sûr toujours bah, un pied sur terre, son merdeau. Il doit en avoir un, mais je sais pas du tout par où il passe, je l'ai pas découvert encore. J'ai également pensé à la gare ferroviaire, sauf que la gare ferroviaire c'est moche. C'est ce qui m'a fait avoir une caisse dans le sol. C'est pas une blague, hein. C'est à cause de ça que j'ai une caisse dans le sol. Et moi ça fonctionnait pas, c'est-à-dire... je crois que ça réussissait à me prendre le plastique de l'entrepôt de départ, mais ça me le déposait pas à l'entrepôt de l'arrivée alors que ça faisait bien le stop, enfin il y a une couille comme ça. Ça en vrai faudrait que je me planche dessus. Que je me penche, putain. Que je me penche dessus. Oui, je vais me plancher dessus. Hein. Pour voir pourquoi ça déconne. Là, au retour, on est bien. Hein. Franchement, la vitesse au retour, elle est mieux, je trouve. Hein. Wouhou! Et c'est reparti. Alors là, c'est ultra rapide. Là, c'est génial. La vitesse qu'on chope dans la descente, elle est géniale. Miaou, miaou, miaou. Par contre, à chaque virage, il se brise la nuque, le pauvre. Hein. Sa boîte de l'air, t'inquiète pas que le coussin d'air... Là tu ressens léger hein. Ah bah non peut-être pas si t'as... C'est une sorte de... De pression artificielle ou un truc comme ça. Alors on disait des moteurs et des nobélisques. Allez c'est parti. Vous voyez quand même pour faire l'aller-retour. C'est quand même bien mieux. Hein. Allez je vais prendre ça en moteur ça devrait suffire. Et comment qu'on fait des nobélisques? Comment qu'on fait des obélisques? Je sais même pas où on les fait. Je veux dire à quel point je m'en sers souvent. J'ai dû les louper. Ou tout simplement, j'ai pas du tout débloqué la technologie. Ah, c'est peut-être ça, hein. Je suis même pas sûr d'avoir débloqué une seule technologie de obélisque. Gaz, je m'en fous. Mais ça, mais...
Végétation, non. S'en fout. J'ai vraiment pas débloqué de Nobelisk? Ça aussi, on s'en fout. Bah. Attends, y a que ça? C'est pas ça pour casser les cailloux? Non, j'ai dû le débloquer, j'ai juste pas dû le voir en. Ouais, il est là. Il me faut des tuyaux et de la poudre noire. De la poudre noire, c'est. Du charbon et du soufre. Ok, j'ai ce qu'il faut. Je vais avoir ce qu'il faut. Bon, du charbon. Alors, on va en prendre 20. Je sais que j'ai du soufre, mais où? Oh, c'est le bordel ici, hein. Non, le bordel. Alors, ouais, j'ai du soufre. Oh, il doit être là-bas, alors. Ah oui, y a pas un truc comme quoi je le faisais monter un moment. Il est là. Ah bah si, ouais, il est là-bas. J'en prends une vingtaine. On va faire tout ça donc poudre, poudre, poudre. Non. Voilà, c'est notre endroit, c'est ça? Ici. Bien vu l'aveugle. Et Nobelisk. Ah mais il me faut un déclencheur, non? Parce que je suis même pas sûr. Détonateur à obélisque, c'est quoi ça? Scanner d'objets, ah bah super. Bon, un scanner d'objets en plus. Une cinquantaine de vis. Oh, je dois pas avoir ça là-dedans, non? J'ai fait le tri, j'ai plus rien, c'est ça? Ah ouais, pas de bol. Un gros ménage là-dedans, et du coup j'ai plus de vis. C'est pas grave, je vais aller en chercher. 50 vis, je sais que j'en ai. Une chier, je sais pas où. Non, 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 voilà, ici. Ça c'est pratique ça de loin. Conteneur industriel, tu vois ce qu'il y a. Ce qu'il y a dedans. Ah, c'est ballot ça, j'en ai 28, j'en ai le mien. Pas grave. Hop là! Allez, on est reparti. Scanner d'objets, je vais en faire un. Hop, non, scan d'en faire trop. On va faire les Nobelisk pendant qu'on y est. Et le détonateur de Nobelisk, en espérant que ça va pas me casser ce que j'ai à côté. Voyons voir, on va prendre ça dans la main. R pour charger. Et on y retourne. Allez, c'est reparti. Oh. Non, si, c'est bon. Je savais pas si j'avais du cuivre sur moi, c'est vrai que je vais en avoir besoin pour des tuyaux, je pense. Et ça.
Honnêtement, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne, les Nobelisques, hein. Ça va être la découverte. Si ça se trouve, je vais rester dedans comme un couillon. À mon avis, je vais le poser, je vais reculer beaucoup. Très 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 très, très loin. Je suis bloqué par un morceau de gravier là, c'est terrible. Allez, on continue. Bah, vous allez voir ma caisse là, on va passer juste à côté. Elle est vraiment dans le sol, hein. C'est terrible. Allez, suivez bien à la boussole, hop, elle est là. Et là, hop, on passe à côté et y a rien. Vous voyez? Ah. Vous avez eu le temps de voir avec le petit freeze de la sauvegarde. C'est terrible ça. C'est plus du freeze là, c'est. Oh. Ouais, impossible à trouver, c'est dommage. Allez, on y arrive tranquille au bilou. La montée est difficile. Oui, la saucisse, j'ai pris un peu de dégâts là. Je vais reprendre un peu encore. Ah non, cette fois j'ai pris des dégâts sur la première partie, pas sur la deuxième. C'est marrant. Enfin, c'est bizarre. Hop là. Et on y arrive. Alors, première mission, les trucs là-bas. Ah, il me semblait bien que j'avais vu un truc là. Je suis en train de briller. Ah, il y a un truc qui brille là-dedans. Voyons voir, je peux les prendre à la main, ça. Bon. Comment ça marche? R pour charger. Da. Ok. Et là, si j'appuie sur l'autre clic, c'est ça? Ah ouais. Dangereux, les enfants, ne jouez pas avec les explosifs, quels qu'ils soient. La bonne question, c'est est-ce que ça pète les deux là? Pour les trois. Ouais. Oula, 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 et oh, oh. Tiens. Ah non, j'ai cru que j'avais un morceau. Bon. Hop, je vais en profiter pour vraiment casser tous les petits morceaux là. Et on va vite se barrer, on va profiter de la vue. Ah, d'accord, ça fait un. Mettre les caisses de partout là, faut nettoyer ça, allez. Impec. Ensuite, faire plus de. Deux raffineries, on en avait dit 4. Je peux faire 4 autres raffineries. Dans l'autre sens si possible. Merci. 2. 3. Ah, c'est couillon ça alors. Ah, c'est con ça. Ça devrait passer, non?
Ça devrait, ça va être ricrac. Ok, et là ça sort comment? Ça va, ça va. C'est. Faut pas chercher plus loin, mais ça va. C'est invalide. Comment ça? Ah! J'ai pas vu, j'ai du charbon pur ici, bon on va le miner. Pour pouvoir placer notre dernière fondation. Ah c'est pas 66 là? Vache! Bah 100, c'est pas mal. Hein. On pourrait faire ça bien. Perfect. Qui fait que ça change là? Là c'est. Ça va partir comme ça et là ouais, il va falloir faire des jonctions. Bonjour. Là ça passe là, là ça passe là. Hop. Et plastique. Oui, il faut choisir du plastique partout. Ok, let's go. Ah oui, effectivement, il est plus sur la fondation, donc elle aime pas. Ah, donc il aime pas. Bon, après, c'est vrai, en vrai, regardez. Oh non, c'est droit, c'est à peu presque droit. À rien près. J'ai pas alimenté, c'est ça. C'est bon que ça tourne pas là. Ah, si, si, ça tourne, mais oula. Je l'ai pas senti, mais. Ça sent pas bon. ça va où ça? Pourquoi ça traverse? Ouais, c'est moche ça. On va faire mieux quand même cela. Je vais faire mieux plutôt. Faut que j'arrête avec le on. Merci. Ah, déjà 1. 2. J'ai failli péter la binette. Pour parler poliment. 3. J'en ai qui est pas alimenté. 4. Impec. Oula. Pourquoi il y a deux cheminées? Alors je suis pas dans dans le raffinage, hein, je ne sais pas pourquoi. Il y a deux cheminées. Maintenant que j'y pense. Bon. Faut pas chercher à comprendre. On va faire rejoindre tout ce bazar. Entrée, entrée, sortie. Hop, là. Oublié ce détail qui n'en est pas un.
Voilà. Même ça alimente bien. Là, ça passera. J'ai combien en prod? 20. Avec du convoyeur à 260. Alors, je m'en. Alors, il y a aussi un truc, c'est que ça, là, je produis un peu de carburant. À base des résidus de tout ça, là. Or, tiens, j'en produis 50. Le problème, c'est que. Ah, je vais devoir refaire une deuxième raffinerie de ça. Merde. Parce que là, j'en raffine 50 par minute. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quoi faire du carburant. Putain, je vais me faire 40. Je vais me faire 80 de carburant. Je peux pas le raffiner. Je vais le raffiner en autre chose. En vrai. Je vais voir si je peux faire autre chose à base des résidus. Un résidu de pétrole lourd, je peux faire de la coke de pétrole. Ça, je l'envoie dans le. Plutôt que faire du carburant qui me sert pas pour l'instant. Donc, je ne sais pas quoi faire. Ouais. Je vais me faire une deuxième. Après, je place une deuxième raffinerie juste à côté. Le problème étant que pour l'instant, j'ai pas trop la place. Oh, mec, désolé. Je dois refaire de la place. Je sais même pas si ça passe. Ça passe, mais tout pile, hein, faut pas demander. Hein. Hop. Voilà, faut pas demander que ce soit beau non plus. Ça bouchonne. Bon, ça va vite débouchonner. Normal, au début, ça bouchonne un peu. Voilà, ça jugule bien. Juguler. Je crois que c'est pas le bon mot en plus. Je dis ça jugule, mais je crois que juguler, c'est pas en bon terme que j'utilise. Hop là. Lui, il est pas alimenté, je présume. Évidemment, il est pas alimenté. Je vais faire un autre poteau intermédiaire. Il n'y a plus d'électricité. Oui, c'est bon, ça revient. Quoi? Vas-y, comment j'ai réussi ça? Hop, je vais faire un groupeur de convoi. Mais toi, tu vas là-bas. Ce qui fait qu'on sort la coque à pétrole. On met combien en prod de ça? Ah, 120 par minute. On fait du 240 en entrant ici. Ah oui, mais on est sur du MK4 ici. Non, c'est bon. C'est bon. Ça va juguler. Alors ça va peut-être avoir un peu de mal au début parce que là, j'en avais en rab. Mais au pire, je peux passer en MK4. Je passe en MK4, ça me coûte pas grand-chose. Ouais. Ça va très vite juguler. C'est vrai que ça en produit 12 à la fois, ça c'est le. Petit point négatif. Même K4, hein. Ouais, je fais même K4 partout. Là, ça s'agglue. Là, ça ne se cumule pas déjà, c'est une bonne chose. Donc là, ça passe. Là, ça devrait être bon tout à l'heure. Parce que lui, il se vide, se remplit pas, et lui, il se vide petit à petit. Alors, ça se vide à coup de 4x4, ça ne joue pas grand chose. Mais ça passe parce que là, j'ai une production de 400, non, de 200, comment dire, 240. Une production de 240.
Ça, j'en ai 5 qui me produisent 30, donc ça fait 150. 240 plus 30, 390. Et mes convoyeurs me prennent 480. Donc on est bon, on est juste le temps que ça jugule un peu, quoi. Et puis ça me produit, mine de rien, bah ça, c'est pas grand chose. Ah, ça m'a rajouté pas mal de points quand même, la coca pétrole. Mais 13 000 points par minute, il m'en faut 160 000. Bon, bah, toutes les heures, j'ai un point en plus, quoi. Ça doit être un truc comme ça. Ah, bah, voyez, ça finit de juguler là, ça arrive 12 par 12. Alors, par moment, ça accumule un peu plus. Ah, 24 par 24, même. J'ai l'impression. En fait, tout arrive en même temps, c'est ça qui est marrant. C'est vraiment. Tout arrive au même moment. Ouais. Ah, ça a l'air d'être désynchro un peu. Je sais pas si c'est désynchronisé. Si c'est désynchro, ça sera bien. C'est marrant. C'est vraiment un bloc. Du début à la fin, c'est un bloc. Là, hop. Avec la résine, la résine, la résine, la résine. Ah! Ça, ouais, la désynchro qui se voit, c'est que maintenant ça fait plus un bloc. Ah bah là ça refait un bloc. Ouais, c'est quoi ce bordel? C'est marrant, on dirait une sorte de synchro-désynchro, c'est chelou. Bref. J'ai ma prod de plastique, ça c'est cool, qui a augmenté. Hein. Et en vrai, le truc chiant. Oh non, je ne veux pas. Je veux pas, je veux pas. Et je dois tirer mon convoyeur jusqu'à l'autre bout, quoi. Ils ont pas inventé de téléporteur, hein, c'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage, ils auraient pu l'inventer quand même le téléporteur. Je suis déçu. En plus, la sortie elle est là. Ouais, la sortie elle est là. Ouais, je suis très déçu. Ils sont à la pointe de la technologie, mes fesses, ouais. Toujours pas inventé le téléporteur, ils ont inventé plein de trucs. Mais pas le téléporteur. Et puis c'est pas court, hein, le trajet. Hein. Vous allez voir, il est plutôt long même, j'ai envie de dire, le trajet. Oh, putain, il va falloir que je passe par le bas. Oh, c'est terrible ça. Parce que je suppose que là, barbare comme je suis, si je monte, ça marchera pas, hein, on est d'accord. Ah! Attends, ça me fait glisser. Ah oui, j'ai l'impression que je peux même pas monter là. Ah bah non, ouais, c'est ça, je peux pas monter. Bon bah on va essayer. Hein. Heureusement qu'on peut mettre les pieds des convoyeurs dans la flotte. Trop long. Merde. Oh là là, la distance est négative, quoi. Allez. On va tirer tout ça. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tiré des convoyeurs, vous et moi. Oh là là, oui, puis c'est mal famé en plus dans le coin. Regardez-moi ça, là. C'est particulièrement mal famé là-bas. Le convoyeur est trop long. Oh merde. Comment ça va? Ah non, c'est vraiment trop long. Hein. Non. Le sol est trop incliné. Courage, fuyons. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Ah, mais arrêtez, c'est bon, je suis loin. Le convoyeur est trop long. Oh, mais non, ça c'est encore, c'est moche. Un peu. J'ai plus de noix? Oh merde, j'ai plus de noix. Il va falloir que je fasse attention.
Où je vais passer? Par là-bas, hein. Donc j'ai pas trop le choix. Bon, là au moins le bon côté, c'est que je peux passer là-dedans parce que j'ai un masque à gaz maintenant. Et je peux même faire mieux. Wow. Je t'ai vu toi. Ouais. Je dis je fais attention parce que j'ai plus de machin, mais au final je vais me battre, hein, donc pas ouf. Ça. Hop là. Hop, un autre. Hop là. On recule. Non, parce qu'avec avec le gaz, j'ai comme une mauvaise un mauvais pressentiment là. Non, c'est bon. La meilleure idée que j'ai eue de faire péter un truc dans du gaz, hein. Honnêtement. Ah oui, par contre, les petits raccourcis, ça me fait. Oh, ça c'est bon ça. Alors, je vais vite récupérer ça. C'est du calcaire, on est d'accord. Soufre. Non. C'est quoi ça? Pourquoi ça a pas tout cassé là? Hop là. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Oh bah attendez, j'ai pas vu, il y en a là aussi. On recule un peu. Oh, il y a un sacré morceau de caisse quand même. Ah, les cailloux qui nous viennent dessus, c'est dangereux quand même. Non, non, oui. Électrolimace bleu. Voilà. Ah oui, j'avais une question aussi. Enfin, j'ai une question. Je voulais tester un truc. Si ça, je fous ça dessus, ça fait quoi? Putain, c'est costaud ça. Hein. Sacrément costaud. Allez, ça, je vais me mettre. Je vais l'équiper. On va manger un peu parce que là on a perdu pas mal de vie quand même, mine de rien. On va continuer notre convoyeur. Putain, on en a déjà. Je crois que j'ai déjà dépensé plus de 400 boules d'acier là. Bon, au moins. Oh, mais c'est une sorte de volcan. Stylé. Alors, par contre, est-ce que c'est le bon chemin? Il y a quoi ici? Non, je suis attiré! On dirait un mauvais remake de Star Wars. Je vais tirer dans son centre. Alors, c'est par là. Ok. Oh, dégage-toi. Pas le temps de faire joujou. Oui, c'est bien. Espèce de lama cracheur de plasma. Va. Ah, c'est par là. On voit mon hyper hyper machin là. Hyper vitesse, non, c'est pas ça. C'est quoi ça? Ah, c'est de. Il me parle. C'est pas dans Beyblade? Hyper vitesse! Non? Oh la vache, ça fait remonter des souvenirs ça. Il est du haut par contre. Ah. Merci. Hop. Pas besoin, pas besoin. Pas besoin non plus. Bonjour, merci. Ah, tac. Allez, on est reparti. Oh non, allez. C'est bon. Arrêtez, hein. Ça m'amuse plus. Hein. Dégage. Je vais rester sur ce truc là. Oh, tu vas voir qu'il va me manquer pas grand chose en longueur de convoyeur.
au niveau des matériaux. Oh, j'en suis sûr. Hey. Alors on essaie de me charger mais je suis en hauteur. C'est ballot hein, tu ne voles pas toi. You believe, mais you can't fly. You believe and you can't touch the sky. Ballot ça hein. Voilà. Bon, je vais continuer le chemin. Je vais pas vous faire l'affront de tout faire avec vous, voilà, parce que bon, voir un mec dire des bêtises, oh non, voir dire, oui, bien ça, bien mon gars, oui, continue comme ça, t'es sur le bon chemin. Écoutez un mec dire des bêtises en construisant un chemin de convoyeur, bon, je pense qu'il peut y avoir un petit peu mieux. Après, moi j'aime bien dire des bêtises. Je pense que... Bon, on passera trop proche et trop près de ça. Mais bon, à mon avis, il y a mieux comme, comme contenu. Même si c'est chill, on s'en fiche en vrai. Moi, je vais continuer tout ça. Et je vous reprendrai sur le prochain épisode. Quand j'aurai fini tout ça. On a pu voir hein, déjà les belles petites avancées, hein. J'espère que ce que j'ai fait vous a plu. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Toujours plus de contenu. Allez, c'était Tchob. Ciao.